Salut les amis, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo concernant mes 10 pronostics de la 12e journée de la Ligue 1 française. Mais avant de commencer, si vous êtes nouveau sur la chaîne, rassurez-vous de vous abonner, abonnez-vous et activez la cloche de la notification pour ne plus manquer les prochains pronostics sur les 5 grands championnats, la Ligue des champions, la Ligue Europa. Le premier match de cette 12e journée de la Ligue 1 française qui oppose Ajaccio contre Paris Saint-Germain. Ajaccio qui est 11e au classement avec seulement 2 buts marqués en 11 buts, 2 matchs nuls, 7 défaites cette saison, 8 buts seulement marqués pour encaisser 16 buts. Contre le leader du Paris Saint-Germain, 9 victoires en 11 matchs, 2 matchs nuls seulement, 0 défaites, 29 buts marqués pour encaisser 5 buts seulement. Mon pronostic pour cette rencontre, victoire directe pour Paris Saint-Germain. Le prochain match qui oppose Montpellier contre Lyon. Montpellier qui est 11e au classement avec 4 victoires en 11 matchs, 7 défaites, 21 buts marqués pour encaisser 22 buts. Contre cette équipe de Lyon qui est aussi 10e au classement avec 4 victoires aussi en 11 matchs, 2 matchs nuls et 5 défaites, 9 buts marqués pour encaisser 15 buts. Mon pronostic pour cette rencontre, nous allons jouer à la sécurité très simple. Plus 1,5 buts dans le match, soit 2 buts dans le match. Le prochain match qui oppose Marseille contre FC Lens. Marseille qui a à domicile avec 7 victoires en 11 matchs, 2 matchs nuls, 2 défaites, 20 buts marqués pour encaisser 8 buts. Contre cette équipe de Lens qui fait des sensations, qui montre d'incroyables performances cette saison dans quelques matchs avec aussi 7 victoires en 11 matchs, 3 matchs nuls et une seule défaite, 18 buts marqués pour encaisser 8 buts. Les deux équipes ont une défense très bien organisée. Les deux équipes ont la deuxième meilleure défense du championnat après le Paris Saint-Germain. Mon pronostic pour cette rencontre, nous allons choisir les deux équipes. Le prochain match qui oppose Angers FC contre Stade Rennais. Angers qui est l'avant-dernier du championnat avec 2 victoires en 11 matchs, 2 matchs nuls, 7 défaites, 13 buts marqués pour encaisser 27 buts. Angers est l'équipe qui a la mauvaise défense du championnat avec 27 buts encaissés contre cette équipe de Stade Rennais, 5e au classement avec 6 victoires en 11 matchs, 3 matchs nuls, 2 défaites, 23 buts marqués pour encaisser 11 buts. Mon pronostic pour cette rencontre, victoire directe pour Stade Rennais. Le prochain match qui oppose Toulouse FC contre Strasbourg. Toulouse qui est 9e au classement avec 4 victoires en 11 matchs, 3 matchs nuls, 4 défaites également, avec 17 buts marqués pour encaisser 18 buts. Contre cette équipe de Strasbourg qui est dans le rouge du classement, 17e au classement avec une seule victoire en 11 matchs, 5 matchs nuls, 5 défaites, 10 buts seulement marqués pour encaisser 17 buts. Et Toulouse qui est à domicile, nous allons choisir comme pronostic double chance pour Toulouse FC. Le prochain match qui oppose Troyes FC contre Lorient. Troyes qui est 12e au classement avec 3 victoires en 11 matchs, 3 matchs nuls, 5 défaites, 19 buts marqués pour encaisser 22 buts contre cette modeste équipe de Lorient FC avec 8 victoires en 11 matchs, 2 matchs nuls et une seule défaite cette saison avec 21 buts marqués pour encaisser 14 buts. Mon pronostic pour cette rencontre, nous allons choisir 2 plus 1,5 buts dans le match, soit 2 buts dans le match. Avec Lorient qui est à l'extérieur, nous allons choisir plus 1,5 buts dans le match. Le prochain match qui oppose Clermont FC contre Stade Brest. Clermont qui est 8e au classement avec 5 victoires en 11 matchs, 2 matchs nuls, 4 défaites, 15 buts marqués pour encaisser 16 buts. Contre le dernier du championnat, Stade Brest qui est 20e. Avec une seule victoire en 11 matchs, 3 matchs nuls, 3 et 7 défaites, 11 buts marqués pour encaisser 25 buts. Mon pronostic pour ce match, double chance pour Clermont qui est à domicile. Ça va être 1-1. Le prochain match qui oppose Stade Rennes contre Auxerre. Stade Rennes et Auxerre qui sont 15e et qui sont respectivement 15e et 16e du classement. Stade Rennes qui a une seule victoire en 11 matchs avec 6 matchs nuls et 4 défaites, 12 buts marqués pour encaisser 19 buts contre cette équipe de Auxerre, 16e au classement avec
avec seulement 2 victoires en 11 matchs, 3 matchs nuls, 6 défaites, 11 buts seulement marqués pour encaisser 23 buts. Pronostic pour cette rencontre, nous allons choisir moins 3,5 buts, soit moins de 4 buts. L'avant-dernier match de cette 12e journée de la Ligue 1 française qui oppose Nice contre Nantes. Nice qui est 13e au classement avec 3 victoires en 11 matchs, 3 matchs nuls, 3 défaites avec seulement 10 buts marqués pour encaisser 14 buts contre cette équipe de Nantes qui joue aussi le milieu du tableau. 14e au classement avec 2 victoires en 11 matchs, 4 matchs nuls, 5 défaites, 13 buts seulement marqués pour encaisser 19 buts. Mon pronostic pour cette rencontre, nous allons choisir moins 3,5 buts également dans ce match. C'est deux équipes qui peinent à marquer. Le dernier match de cette 12e journée de la Ligue 1 française qui oppose Lille contre AS Monaco. Lille qui est 7e au classement avec 6 victoires en 11 matchs, 1 match nul et 4 défaites avec 21 buts marqués pour encaisser 18 buts contre cette équipe de Monaco qui a aussi 6 victoires en 11 matchs avec 3 matchs nuls et 2 défaites, 20 buts marqués pour encaisser 14 buts. Cette rencontre qui oppose Lille contre AS Monaco semble être la plus grosse rencontre de cette 12e journée de la Ligue 1 française. Mais mon pronostic pour cette rencontre, nous allons choisir les deux équipes MAC. Voilà, nous sommes à la fin de cette vidéo concernant les 10 pronostics de cette 12e journée de la Ligue 1 française. Alors, j'espère que vous avez aimé. Si vous aimez, laissez-moi un gros pouce bleu et partagez la vidéo avec vos amis. Partagez ça avec vos potes. Partagez ça dans vos groupes réseaux sociaux et sur vos réseaux sociaux. Et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Abonnez-vous et activez la cloche de la notification. Et aussi, prochainement, je vais aussi partager mes pronostics en live et mes pronostics complets sur TikTok. Donc, je vais laisser le lien de mon compte TikTok, TikTok Pronostic, dans la description. Et donc, vous pouvez aller passer par là pour nous rejoindre sur TikTok. Et il y a aussi le canal Telegram dans lequel nous partageons chaque jour des coupons. Donc, vous pouvez nous rejoindre aussi sur le canal Telegram. Allez, à la prochaine.